ITFM a eu le plaisir d'interviewer Terava Le Gaïc, secrétaire territorial en charge de la trésorerie et des affaires administratives du STIP AEP-UNSA au sujet de la grève du 5 décembre 2019 sur la réforme des retraites d'Elvois. On représente majoritairement le premier degré et donc nous appelons tous nos collègues du premier degré, nos adhérents, nos sympathisants à nous rejoindre place Veilleté à partir de 8h30. Nous démarrerons une marche à partir de 9h30, nous rejoindrons le Haut Commissariat où nous avons un rendez-vous avec le Haut Commissaire à 10h30 et suivi d'un rendez-vous avec le président de la Polynésie française. Donc nous appelons les collègues à manifester, à venir nous rejoindre. Donc nous voulons aussi prévenir les parents d'élèves que cette forte mobilisation va forcément engendrer la fermeture des écoles. Donc il faudra prendre ses dispositions. Je sais que ça ne va pas forcément plaire. Nous faisons une grève de 24 heures, non pas pour notre plaisir, mais pour pouvoir montrer à notre administration que nous ne sommes pas d'accord à ce qu'on soit impacté sur nos retraites. Nous cotisons, nous devons cotiser 42 années et pour toutes nos cotisations, nous ne toucherons pas les retraites que touchent actuellement les personnes qui partent à la retraite. Que les spécificités ne sont pas liées qu'aux enseignants du premier degré, mais à tous les personnels de l'éducation. Il faut savoir qu'on est des personnels qui ne touchent pas des primes comme d'autres fonctionnaires d'État dans d'autres administrations. Et en n'ayant pas ces primes, notre pouvoir d'achat, une fois à la retraite, ne sera pas équivalent à celle que nos collègues d'aujourd'hui qui partent à la retraite toucheront. Donc nous serons les grands perdants des fonctionnaires d'État si la réforme proposée par le gouvernement passait telle qu'elle est proposée actuellement.